Salutations, ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour, un épisode, toujours avec 5 heures, seulement 5 heures, toujours sans dormir et en compagnie de Dowin. Hello. Et on va essayer, je suis allé vite chercher les émeraudes exprès, de toper, juste pour le fun, le petit monsieur qui s'est barré sur la colline. Est-ce qu'il a des spawns? Est-ce qu'il est encore là? Il est encore là. Est-ce que tu vends toujours le même truc qu'à la... Ouais, il vend une propagule. Donc voilà, c'est juste pour le fun, je lui achète une propagule. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est donc la 1.19. Et la propagule, bah, c'est l'arbre, le palétuvier. Et bon, on avait repéré, hein, de toute façon, une mangrove. Mais voilà, c'était l'occasion de dire, tiens, on va planter une propagule. Donc c'est avec ça qu'on fait un palétuvier. Donc c'est pas une petite pousse comme d'habitude, c'est une propagule. Voilà. Rien que pour le nom, je trouve ça fun. Et en même temps, ouais, si on arrive à ne pas les faire pousser, des fois, ils ont... ça a un petit look sympa. Je sais pas ce que ça donne, tiens, dans un pot de terre cuite. Mais bah, j'espère vraiment que pour la 1.20, ils vont nous laisser le sniffer dans les 3 mobs. Parce que franchement, dans ce qu'ils proposent, je serais quand même plus chaud pour plus de végétation, même décorative. Pas forcément alimentaire, mais ouais. Mine de rien, la végétation, c'est souvent ce qui nous permet d'habiller un build. Ouais, et je suis assez d'accord. Et les autres trucs, franchement, l'espèce de golem casse-bonbon dans les maisons, et puis l'autre ouais, qu'il faut jouer à cache-cache et qui donne peut-être une pioche enchantée, bof, quoi. Non. Bof. Exactement. Et rebof. Donc, on va sniffer. Voilà. Je suis pour. Comme ça, quand je pourrais renifler tranquillement pendant mes épisodes, je pourrais dire que c'est le sniffer. L'appel du sniffer. Alors, précieux, précieux, je sais pas trop comment elle a rangé du coup. Ah non, c'est les trucs qui brillent. Les trucs qui brillent sont là, voilà. On va remettre les émeraudes là aussi. Et j'ai ramené le fer qu'on avait stocké là-bas. Plein de choses à ramener d'ailleurs. Je suis reparti au village. Ah ouais, bah, tu vas pouvoir remplir tes sacs. J'ai essayé de ramener des trucs et puis surtout voir pour la meule. Comment elle était faite? À quoi ressemblait-elle? C'est ça. Bah, tout ce fer-là, de toute façon, il va falloir le cuire à un moment. Mais on va pas faire ça maintenant. Donc, on range en dessous. Voilà. J'ai vu déjà du lapis, non? Bon, je sais pas où elle a mis le lapis. Donc, je vais mettre là, pour l'instant. Et le charbon. Et bah, le charbon, on va le mettre là aussi. Voilà. Quand on ne sait pas, bah, on prend on improvise. Ouais, mais je l'ai déjà rempli le vide-poche. Il est déjà plein. Ah. D'ailleurs, je vais récupérer les bûches de chêne, voilà, pour faire le petit emplacement. On va continuer la ferme, évidemment. Et on va faire le petit emplacement, là, avec du blé. Est-ce que j'en aurai assez avec 24? De toute façon, il n'y en a plus d'autres. Donc, je vais reprendre les pousses de chêne. Je vais peut-être être obligé de farmer un peu de chêne, quand même. Hop. Donc, votez tous pour le sniffer. Je vais faire de la pub, moi. Et quand est-ce qu'on vote? Eh bien, c'est ce week-end. C'est vendredi jusqu'à samedi. Et du 14 au 15, ouais, c'est voilà. Ça. Et c'est le 15 au soir, je crois qu'il y a le... là, je sais plus comment ils appellent ça, mais l'héritier de la Minecon, quoi. La Minecraft Live. Ouais, voilà. Alors, ah bah voilà ma carte graphique qui veut se mettre à jour, super. On disait qu'on allait faire en diagonale. Hop, en diagonale, ça ferait un truc comme ça. Ah, par exemple, voilà, et après on va remplir tout ça de terre. Alors c'est plus là long que large, donc on va faire comme ça. Ici on va s'adapter au terrain, hop là, c'est pas mal. Ouais, faut pas que ce soit méga grand non plus, hein. Sinon les fermiers ils vont encore s'enquiquiner avec ce truc pour nous compliquer la vie. Voilà. Et donc est-ce que j'ai... ben non, j'ai pas gardé la terre sur moi. Évidemment. Ok, donc c'était 5 par 5, de la dalle, du blé. Ouais, le blé j'avais rajouté après, ouais, pour... Et de l'escalier. Rajouter le petit truc, la petite touch. De la terre. J'ai dû en mettre plein dans la poche déjà. Hop, voilà. On va prendre peut-être un peu plus, on sait jamais. Est-ce que l'idée c'est de vider les coffres qu'il y a dans le village âge de pierre? Ah bah oui, oui, ça sert à rien de laisser, hein. Enfin, sauf les trucs éventuellement hyper exotiques qui ne serviront pas à build ou à trade ou je sais pas quoi, ou à crafter des choses. Mais tout le reste, oui, je pense que...
On va quand même pas gâcher à chaque cage, recommencer tout à zéro. C'est juste une civilisation qui évolue. On va dire qu'ils ont commercé avec le nouveau village et que. Non, ils ont migré d'ailleurs avec leurs affaires, tout simplement. Alors, on remplit ça. J'ai oublié de me faire une houe, mais je dois bien avoir un peu de terre. Ouais, on va se faire quelques bâtons. Hop, ouais, peut-être que je laisse un petit trou pour de l'eau quand même. On va faire là le trou pour de l'eau. Hop. Voilà. Eh ben tiens, on va mettre l'eau tout de suite. Tic. Faire une petite houe. Pour ça, il faut des bâtons. Alors il y a déjà un villageois qui a vu le fumoir, donc qui est devenu boucher. Et qu'est-ce qu'il vend le monsieur? Des ragoûts de lapin et il achète du poulet cru. J'aurais pu le verrouiller, tiens d'ailleurs. Parce que moi aussi, si je monte un villageois level max, après tout, on va dire que j'ai le droit à une pomme d'or enchantée. Hein, comme Ganesha. Elle a, premier villageois qu'elle a monté, elle a eu une pomme d'or. C'est ce que je vais faire là. Je vais chercher des mes émeraudes. Non, parce qu'avec 5 cœurs, j'aimerais bien revenir à 7 quand même. 7, c'était un peu plus facile à gérer. Là, je suis descendu un tout petit peu par là, là pour voir s'il y avait. Je vais faire une petite descente de mine. Et ben, rien qu'en descendant, je me suis fait agresser par 2 squelettes. Et ben, avec 5 cœurs, vous n'êtes pas fiers. Hein. Parce que 2 flèches et ça descend vite. Et je suis en armure fer. Donc, un peu chaud quand même. Et ben, on va acheter du ragoût de lapin. Voilà, comme ça, on aura du ragoût de lapin. Et on va verrouiller notre ami le boucher. Et on va essayer de le monter level 10. Level 5, n'importe quoi, il n'y a pas 10 levels. Voilà, j'ai craqué. Allez, monsieur le boucher. Monsieur le boucher, bonjour. Est-ce que vous voulez bien me vendre ceci? Oui. Alors, 1, 2, 3. Punaise. Il monte pas vite. Hein. Non. Il monte pas vite, le monsieur. Pour le monter au level au-dessus, il faut lui acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ragoûts de lapin. Non, mais sans déconner. T'es trop cher, toi. Alors, qu'est-ce que tu fais au deuxième level? Ah, c'est plus intéressant. Ils vendent des côtelettes de porc cru. Cuites. Donc ça, c'est intéressant parce que très bonne nourriture. Donc, on va tout de suite le monter. Hop. Par contre, j'essaie d'économiser les émeraudes. Comme vous pouvez le voir, je le monte un petit peu à chaque fois. Bon, c'est pendant ce temps-là, je ne builde de pas, mais bon, c'est pas grave. On a les chats pour nous protéger des fantômes. Et hop, il devrait monter un level. Plus que deux. Non, on se barre pas, monsieur. Ah, alors là, par contre, c'est plus en kikinant parce qu'il achète du mouton cru et du bœuf cru. Donc, il va vraiment falloir refaire une usine à vaches. Et on n'a toujours pas l'observateur parce que, ben, on n'est pas allé... Ah non, mais si, distributeur, on pourrait faire ça. Ouais, mais on a dit que les mécaniques vont remplacer ce qui ressemble à de la mécanique dans Rise of Culture. Et le premier truc, ça aurait été le char. Parce qu'il n'y aurait aucun équivalent de Minecraft par rapport au char. Non. Et j'avais suggéré que le premier truc de redstone que ça pouvait débloquer, ça me semble logique, c'est plutôt l'entonnoir. C'est un peu la base de... Voilà. Premier truc qu'on fait qui est dans l'onglet redstone. Hein. Je vous rappelle que c'est ça. Tout n'est pas dans l'onglet redstone. Donc eh ben, le monsieur, bah tant pis, je vais le montrer level 5 quand j'aurai tout ce qu'il faut. Par contre, là, je vais pouvoir me nourrir de cochon du coup. Alors, on va ranger les ragoûts de lapin dans sa petite chaumine. Le monsieur, il est parti discuter au centre du village, mais va-t-il revenir dormir là? Ah, grande question. Les porcs, je garde quand même. Et puis, on va aller chercher des graines pour qu'on ait notre petit champ de blé. Ah, puis peut-être quelques petites barrières là pour faire joli. Ouais, je vais tout poser, donc voilà. Il y avait des petites barrières sur le modèle. Essayer d'agrémenter un petit peu quand même, on est à l'âge de bronze, que diable. Ah bah oui, ils font... en plus, ils ont dû ils sont contents. Ouais, mais ils repèrent pas les lits. Il y a 2 lits de libre, ils les ont pas repérés. Et ils sont que 4 les cocos là. Oh, il y a eu des morts parce qu'il y a plus que 4 maisons. Oui, bah toi, t'es un idiot du village, un de plus, comme d'habitude. Après, je me demande si idiot du village, c'est pas le truc, c'est juste le truc génétique des villageois. C'est juste, ils sont bêtes. Alors, tac. C'est la base des villageois d'être bêtes quand même. Hein. C'est un peu leur credo. Taladam.
1, 2, 3, ouais, il me faudrait 6 barrières. Donc hop, on va se faire un petit peu plus de bâtons, pique, et donc voilà, un peu plus de barrières. Et j'ai oublié de prendre À les côté. graines. Ah non, non, ça fait une trotte, hein. Je viens de le faire tout à l'heure. Tu vois, le temps que tu y ailles, ça a pris 10 minutes déjà, puisque il fait nuit. C'est ça. Verdure, voilà, verdure, de la graine. De la graine, tu vois, allez, hop, on va ranger. Prends-en de la graine. Et voilà, exactement. Hop. Comme ça, notre petite ferme agricole, en 2 x 20 minutes, elle sera à peu près complétée. On finira hors caméra les tout petits détails. Ah si, il y a le petit potager aussi sur le côté, entouré d'une petite barrière. Hop. Pic pic pouc, padaboum. Voilà. Ah non, il reste un. Alors, on va peut-être mettre un peu de. Maintenant, on va les mettre sur les barrières. Tiens. Alors, il y aurait une barrière ici. Et ici. Voilà, ça c'est pas mal. On va faire comme ça. Donc. Ah! Heureusement, j'en avais une en rab. Et donc, sur les petites barrières, histoire de d'éclairer bien. Donc il va falloir que je pose aussi un composteur, ce qui devra attirer un deuxième villageois dans le coin. Et avec un peu de chance, celui-là, il va quand même voir le lit. Normalement, Peut-être. le composteur, il y en a un au milieu de la meule. Dans l'autre, t'avais mis au milieu de la meule. Eh, mais ils vont jamais y accéder. Je pense qu'ils peuvent pas y aller, hein, avec. Alors, c'est juste au-dessus. C'est pas à ce niveau-là. Parce que, en fait, en gros, la meule, Je vais peut-être te l'enlever c'est l'arbre là. en fait, il va peut-être être gênant. Écoute, on va voir. J'ai pas voulu coller au champ, donc je me suis permis de le décaler d'un par rapport à ce Oui, que bah oui, parce que c'était dit. c'est pas Mais collé au champ sur le screen. en gros, la meule est comme ça. Et au milieu, là, il y avait un Un composteur. Ah oui, mais ils peuvent pas y aller parce que c'est composteur. trop Mais ils peuvent pas y aller parce que c'est trop. haut. Donc sinon, faut qu'on triche et qu'on mette Ou un alors on met la truc. meule un cran plus bas. Oui, ça On pourrait être sympa l'enterre. qu'elle soit enfoncée dans le sol, ce serait plus logique. Oui. Vendu. On enterre ça. L'avantage des dalles de pierre, c'est que on peut les miner sans que ça se transforme en. Pas de roche sans que ça se transforme en pierre. Yep. Comme ça va moins être avec l'arbre qui est pas à monter très haut. Alors la question c'est est-ce qu'on met au sol comme ça ou au-dessus? Oui, t'as Bah pas le après choix il de y toute a façon. le il y a, y a, oui, y a le débord après. Tiens. Ah oui, t'en avais encore d'autres sur toi parce que moi j'en ai pris 8 et j'ai pas reposé. Ben, j'en ai ramené. Je suis pas revenu les mains vides. Ah, mais est-ce qu'ils pourront y aller quand même? Oui, mais il faudra tricher, genre il faudra mettre une dalle comme ça. On va faire un. Ouais. On va tricher un Ça. peu. Voilà. Non, ça met du relief en plus sympa. Un petit côté sympa. Hop. Et donc il y aura le composteur au milieu. Fabriquer un On va mettre composteur. un bloc en dessous quand même. Il faut de quoi? Ça, c'est de la dalle. Voilà, un petit composteur. Donc là, normalement, bah oui, moi je peux sauter, donc ils peuvent sauter. Alors, en plus, j'en avais jamais posé, apparemment. Des fois, j'ai quand même l'impression de refaire tout le temps les mêmes progrès. Hein. C'est un petit peu bizarre. Alors j'ai pas de blé donc je vais pas pouvoir mettre de blocs de paille comme j'avais fait. On pourra en mettre après. Pas gênant. Ouais, falloir attendre que ça produise. Donc là normalement ils vont sauter là mais ils vont pas sauter. Non, ils vont pas casser les champs. Donc on est pas mal, on est pas mal. Donc on a la petite meule, on a le petit champ de blé. Il va nous manquer. Est-ce que je vais avoir de quoi? Ah, je vais être obligé de faire des plots.
planches de chêne, je pense. Faire un peu plus de bâtons. Et je vais essayer de faire des barrières en chêne, pour le coup. Oh, il en faut pas tant que ça non plus. 9, ça devrait suffire. Par contre, j'ai pas ramené les graines qui vont bien, donc c'est pas grave. Donc là, l'idée serait de faire un petit potager, mais entouré de barrières qui est à peu près... Hop. Donc, avec des barrières au fond, comme ça. Avec pourquoi pas deux plus hautes. Voilà. Là, on met une comme ça. Une. Et une. Voilà. Juste comme ça. Et il faut qu'on planque une source d'eau. Ça, c'est pas un problème. Regarde, tu fais ça, clac, clac, tu viens la mettre là en dessous, et tu refermes. Ouais, ça le fait. Alors, j'en ai sur moi. Youp. Et youp. Et youp. Voilà. Donc, maintenant, ici... tiens, elle est où, Maou? Elle est là. Hop. Si t'as une barrière en chaîne, je veux bien pour la meule, s'il te plaît. Eh ben, c'est ma dernière. Merci, monsieur. Pas le gâcher. Et donc elle est en place. On va faire comme ça. Hop, comme ça. Ça va enlever quand même. Ici. Et pourquoi pas déborder un petit peu par là. Oui, c'est pas foufou. On va mettre une petite torche ici. Une petite torche là. Comme ça va être de les mettre au sol. Voilà, donc on a mis une petite terre crue cuite, enfin craquelée, je sais plus comment ça s'appelle, au-dessus du truc, parce que normalement c'est un bol de terre. On n'a pas. Alors nous, c'est pas un bol, c'est pas un, voilà. Nous, c'est pas un brasero feu de en bol, c'est un brasero plancha. Voilà, on a fait une plancha dans Minecraft. Eh, on est moderne ou on l'est pas. C'est ça. Des graines de citrouille, de betterave et machin. Est-ce que j'ai de la chance que Ganesha ait ramené tout ça? Elle va peut-être ramener de la paille, hein. Peut-être. Je vais vider justement ce que j'ai ramené. Attends, je croyais que ça fait déjà 21 minutes, mais non. Je me suis trompé entre l'heure qu'il est et le compteur de la vidéo. J'ai toujours nuit, donc... Oui. Alors, c'est le bon indicateur. Alors, verdure, c'est là. Qu'est-ce qu'elle a ramené? Elle a pas ramené les... Elle a pas ramené les citrouilles et les machins. Zut de crotte. Zut de crotouille. Mais elle a ramené de la paille. Donc de la paille, j'en ai 4. Oui, ça suffit. Bah si, des patates et des carottes. Voilà. Des patates et des carottes. J'ai pas les graines de betterave, j'ai pas les citrouilles et les pastèques. Mais bon. C'est déjà ça. Comme dit la chanson. Oui. Ok, bon, eh ben, on va ranger mes petites graines là. Et puis on va faire de carottes et patates. Voilà, carottes et patates. On va les rechercher. Oui. Je vais mettre que au milieu, comme ça on mettra une citrouille, une pastèque sur les côtés. Oula. J'ai la force de courir. Hop. Bon. Oui, alors je disais, j'ai plus de la paille. Ouais. D'abord les patates. Les patates et les carottes. Hop. Hop. Alors, on va faire un truc un peu à l'arrache. Tranquille. Voilà. Là, on pourra mettre une citrouille. Là aussi. Pas là, mais c'est pas grave. Ouais. On aurait pu en mettre une au bout. Ouais, on pourrait en mettre une à la place de cette patate. Donc voilà. Et là, on pourra mettre citrouille, pastèque sur les angles. Ça fera bien le petit potager comme sur le screen. Et ben, on sera pas mal. Ah oui, il y avait aussi un tas de paille. Oh, alors, j'ai assez de paille pour la meule, mais pas pour faire le tas de paille. Il va falloir qu'on en fasse un peu plus. Normalement, il y a un tas de paille sur un des côtés. Ok, bon. Alors, on enlève 1, 2, 3. Voilà, on va dire que c'est sur cet angle-là que ça meule. Qu'il y a eu du blé de mis en dessous. Voilà, comme ça. Et là, ça meule. Voilà, quand on tourne, ça écrabouille le blé et on récupère de la farine. Et donc, ce serait ici qu'il y aurait un tas de paille. Ben, il m'en reste un pour simuler. On va mettre un pour l'instant.
puis au fur et à mesure, on pourra en rajouter. Ben là, franchement, On c'est est pas pas mal. mal. Prendre un peu de hauteur, mais je pense qu'on est pas mal. Alors, l'arbre va un peu cacher pour la vue. Beaucoup caché, même. Oui, il est un peu casse-pied pour la vue. Je pense que je vais l'enlever et je le remettrai plus tard. Voilà, pour les besoins de la vidéo, monsieur, vous gênez. Attends, il va pas despawner aussi vite que je voudrais, puisque là, par contre, il fait jour, donc c'est que ça fait déjà 20 minutes. Hop, hop, hop. On va essayer de le virer à la main. Enfin, la hache, d'ailleurs. Il faudrait qu'on fasse une recherche aussi pour les cisailles, parce que les cisailles nous permettraient quand même de faire pas mal de choses. Un outil qui est un peu trop sous-estimé dans Minecraft. Un peu comme les villageois d'ailleurs. Je joue un petit peu avec mon neveu et il se précipite à l'ancienne. Il faut vite faire l'end et compagnie, mais pour le stuff, je lui dis, mais avec les villageois, tu peux faire plein de trucs. Ah oui, je joue jamais avec. Eh ben oui, c'est bien ce que je dis, tu joues jamais avec. Tiens, hop, premier fermier. Eh ben, il achète du blé. Et en plus, il est fastoche. Et ils vend du pain. Ah bah, je peux le verrouiller, j'ai des émeraudes. Hop, voilà, il est verrouillé. Bon j'ai petit, du pain. Bien sûr. Hop, allez, tiens, mange. Mange ton propre... Ah, pourquoi j'ai encore d'autres pains, là? Vas-y, récupère. Ah. Mais non, mais prends-le, le pain. Je veux pas le... Me le redonne pas. Ah mince, c'est tombé dans le composteur. Ah oui, ça sort plus. Attends, il va le chercher. Non. Non. Mais t'es nul. T'es un villageois, quoi. Allez. C'est ça. Tombe dedans. Non, mais je rêve. Ah, ça y est, il est tombé dedans. Alors, est-ce que ça a ramassé le pain, du coup? Oui, il a ramassé le pain. Il a pas l'air bête, là, pour le coup, dans son trou. Je me suis demandé s'il allait ressortir, en fait. Hop là. Il a pas l'air con. Excusez-moi. Il aura fait notre journée. Il aura peut-être fait votre midi aussi. C'est ça. Hop. Alors là, voilà. Là, on a une belle petite vue. Un petit zoom. Regardez. Voilà. Ça ressemble quand même bien. Ouais, là, on est pas mal. Hein. On est vraiment pas mal. Bon, la meule est évidemment plus grosse. Hein. On est dans Minecraft. Mais là, je vais faire un petit F1, F2. Comme ça, j'aurai ma petite miniature. Voilà. Et ben, moi, je dis nickel. Nickel. Nickel, là. Vraiment, je pensais pas qu'on arriverait aussi proche. Et très bonne idée, ouais, le coup des escaliers plutôt que des blocs. Ça donne un petit côté à cheval du truc. C'est ça. Non, de toute façon, on peut pas faire mieux. Donc, la question, c'était, est-ce que les escaliers sur les... Les extrémités, côtés, ouais. Est-ce que... On change ou pas? On fait pareil ou pas? On peut toujours essayer. Voir ce que ça donne, déjà. Hop. Il faut aussi ceux-là. Ouais, du coup, on va tous les faire. Ah, ben, je suis devant la torche. Ah, il s'est mal mis. Il s'est mal mis ou c'est pas mal comme ça, en fait? Non. Il s'est mal mis. La torche m'enquiquine. Ben, la torche s'en va, et puis c'est tout. Voilà. Comme ça. Hop. Elle s'en va, et elle revient. Yep. Alors, ça donne quoi vu d'un peu plus loin? Évidemment, en commentaire, vous pouvez donner votre avis. C'est un peu pour ça qu'on le fait avec vous. Hop, on se met à distance, un petit coup de zoom. Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme derrière? Ben, je vous laisse décider. Je suis partagé. Alors... Moi, si je peux me permettre, quitte à laisser comme ça, je mettrais des escaliers à l'envers, en dessous de ceux qu'on vient de poser. Oui. Oui, pour habiller, ouais. Ouais. Ouais, c'est... ça pourrait être pas mal, ça. Là, parce que là, ça fait un peu... Il y a un petit creux, là. Je vais chercher ce ouais. On va pouvoir essayer comme ça. Ça pourrait être pas mal. Bon, alors puis là, après... maintenant, on a deux gugus, là, donc il y a deux lits. J'espère qu'ils vont prendre les deux lits. Alors, on a dit deux comme ça. Hop, ceux-là ils sont pas faits.
Donc, hop. Hop. J'arrive Mais tout de ouais, suite. je suis vraiment content du résultat. C'est rare qu'on soit vraiment très content d'un truc dans Minecraft. On est toujours, ah ouais, mais ça, c'est pas encore ça. Mais là, par rapport à l'inspi, ben, je trouve que vraiment top top. Vraiment bien. Pour ça qu'on s'éternise d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais reprendre la hauteur. Piu, piu, piu. Piu, piu. Hop, vu de loin, ça donnerait ça. Bah, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Eh ben, vous nous dites en commentaire ce que vous en pensez. Et puis, soit on fera comme derrière, soit on fera comme devant. Ou on peut faire les deux d'ailleurs. On peut très bien laisser comme c'est. Aussi. Si vous vous dites que l'arrière, c'est pas mal. Why not? On vous C'est... suit. Voilà. Eh ben, on va aller se mettre devant cette belle réalisation en compagnie de monsieur le fermier. On va se tourner par là, on va faire du F5. Voilà, on voit Dowin juste derrière. On va se mettre comme ça. J'ai pas trop bougé parce que je vais le taper. Il va me pousser. Non? Ah, les villageois, je vous jure. Eh, tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose? Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes du coin de l'œil comme ça? Hein? Tu me regardes du coin de l'œil, je l'ai vu. Je te vois me tourner autour et me regarder du coin de l'œil. Vous avez vu ça? Ils sont vicieux en fait. Non seulement ils sont bêtes, mais en plus ils sont vicieux. Ouais, ils regardent du coin de l'œil les cocos. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi ça fait ça, c'est parce qu'il y a le ressource pack dont je ne sais plus le nom, qui anime leurs yeux. Et donc de façon meilleure que dans le Minecraft de base. D'ailleurs, vous voyez sur mon skin, moi, ça, les yeux ne bougent pas, celui de Dowin, pareil. C'est vraiment pour les villageois. Merci Optifine qui permet ce genre d'astuce. Ce serait bien qu'il fasse pour nous aussi. Hein. Allez, sur ce gros plan sur nos têtes, on va se dire à demain, si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Ciao, ciao! Ciao, ciao.